Salut à tous, c'est Rayak et bienvenue pour ce nouvel épisode de Lost Planet 3. Bon, on va continuer tout de suite, hein. Pas de petit blabla ou d'annonce ou quoi que ce soit, donc go! Ok, donc nous devons aller rejoindre... de toute façon, c'est tout prêt, donc nickel. Allez, ah, un autre forage? Non... C'est bon? Oui? Et? Et après? Parce que là, je peux faire des dessins si je veux, c'est tout. C'est bon, j'ai réparé le truc. C'est bon? Et là, c'est quoi ça? Ça, c'est pour pouvoir faire un forage? Je vais aller regarder rapidos. Comment on fait des forages? Je me souviens plus. Configuration du clavier. À pied. Mecha. Balancer, bloquer, bras droit. Treuil. Écraser, électro. Bloquer. Changer d'outil. Et ça, la vital suite, on l'a toujours pas pour le moment. Donc, il semblerait que c'est bizarre la mission. Que c'est quoi ça? Parce que là ça a été réparé, c'est bon. Non. Là ça marche plus. Ah si, ça y est. Souris 1. Voilà. Ah, est-ce qu'il faut suivre tous les trucs? Et ça fait disparaître le reste? Non, c'est bizarre. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Bon, c'est pas grave, on va continuer. C'était juste, voilà, une quête annexe. Mon amour, excuse-moi. Désolé. J'essayais de faire dormir Hank et j'ai entendu ton message. Et maintenant que je sais que tout va bien, je me sens un peu minable. Ça me soulage de te savoir opérationnel ou un truc du genre. Je t'aime. On se parle vite. Ok, donc là on peut pas passer. Et on va aller voir professeur Roman. C'est pas un bug là. James, Dieu merci, vous êtes dans les temps. Une tempête sera ici dans une heure et j'ai besoin que vous plongiez en plein cœur. Mais bien sûr, et je peux savoir pourquoi? Je dois brancher des capteurs au treuil de votre méca. Le temps est compté. Je vous expliquerai en chemin vers le sommet du pic de Shaq. Oui. Parfait, montez à bord de votre méca, je vais tout vous dire en chemin. Ouais. Je le sens pas ça. Bon, vous devriez voir les coordonnées sur votre ATH. Elles indiquent l'emplacement présumé de l'œil de la tempête, faites vite. C'est quoi cette lubie, Doc? Depuis quand on chasse les tempêtes? Depuis que j'ai entendu un ouvrier de Coronis parler d'une quête de TN pure. Cet imbécile de Kenny joue au savant fou avec les acrides et il n'a pas su déchiffrer le schéma des tempêtes. Si Braddock avait négocié avec Nevek pour me donner un peu plus de temps, j'aurais pu prouver que les tempêtes sont chargées d'une énergie thermique relativement pure. Enfin, si on peut appeler ça des tempêtes. Les tempêtes ne correspondent en rien au schéma météorologique que j'ai pu observer. Elles apparaissent et disparaissent sans aucun vent propre à une manifestation atmosphérique de catégorie empereur. Elles ont comme une trajectoire. C'est vrai qu'elles arrivent de nulle part. Non, James, c'est tout le contraire. Oh, Doc, vous commencez à me faire peur, là. Ça, c'est pas très grave. Mais grâce à vous, nous allons enfin arrêter de spéculer et récolter des données. Les capteurs spéciaux que j'ai installés sur votre treuil effectueront une batterie de tests pour comprendre exactement ce qui se passe une fois pour toutes. Et si nous avons de la chance, nous pourrons sauver Coronis par la même occasion. Bien. C'est pas le truc le plus dingue de la journée. Alors, faut remonter...
Alors oui, obligé de prendre la manette. Je n'ai toujours pas débranché. Et vu que je joue à d'autres jeux de temps en temps et que j'ai besoin de ma manette, je pense pas à la virer. Donc là, on va faire monter le méca, c'est ça? Regardez. Frais chargé avec succès. Après, faut aller là-bas. Tiens, la dernière fois, quand... Enfin, la dernière fois. Il y a un petit moment où on est arrivé jusque-là. On va monter avec. Ok. Bon, pour le moment, tout se passe bien. Attention, rame de frais à quai, prêt pour chargement. Mon méca est là. Je le sens pas du tout cette mission. Mais alors pas du tout. On va encore se casser la gueule. Voilà. Oh bah tiens, il y a un copain. Ah, c'est nouveau ça. Ah non, déjà vu, mais j'avais jamais battu avec le méca. Alors j'avoue que je ne sais pas là. Z. Z. Ça y est, on l'a. Allez, viens, viens. Ok. C'est énorme. Oh. Je l'ai eu. Zut. Ah, il a crevé? Allez, crève! Il se barre. Il se casse. Ah! Je l'ai envoyé, mais ça a loupé. Il va revenir par où? Non, il y a une sauvegarde. C'est moi ou il y en a des tonnes et des tonnes autour? Quand je regarde tout le radar autour là, c'est impressionnant, c'est tout rouge de partout. On peut survivre à ça? What? Ah, il se barre. Il te régénère le. Il va revenir l'autre. Attends. Et il est de retour. J'espère qu'on va le terminer cette fois-ci.
Allez, attaque avec ton dard. Allez, 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 allez. Ah ! J'y arrive pas. Ah, j'y arrive pas. C'est horrible. Ça y est, je l'ai eu. Oh putain. Allez, crève. Non, toujours pas, hein. Ah, ça devrait être bon là. Ça y est. Et là, comment on fait pour le flinguer? Ah, ok. Non. Non, j'avoue que je ne sais pas là. Voilà. Wouah ! Quelle horreur ce truc. Allez hop, on va ramasser ça. Bon. Ça commence bien par un petit boss, tranquillou. Allez, que va-t-il se passer? On va encore se casser la gueule. Ah. Ok Doc, je suis en position. Et j'ai l'air d'être à l'heure. Lancez votre treuil vers la tour et attendez un peu pour récupérer les données. Votre méca servira de paratonnerre pour les éclairs. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Vers la tour. D'accord. Doc, on a de la compagnie. Des acrides volants. Et ils jouent au ping-pong avec le treuil. C'est pas bon, James. Ces capteurs doivent tenir le coup jusqu'à la fin du test. Je peux rien faire d'ici. Par contre, ça a l'air calme au sol. L'œil de la tempête, hein? Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Non. Et vous n'en voulez pas. Un truc qui cloche avec ces acrides. Ils sont différents de tous ceux que j'ai vus. Une sorte de couleur étrange. Plus clair, peut-être. Alors n'oubliez pas d'utiliser votre marqueur ADN. Ils font peut-être partie du mystère, eux aussi. Avec plaisir. Ok. Bon, qu'est-ce qui va m'arriver comme merde? Allô? Non.
Il y a un bug? Ah si, c'est bon. Ok, donc il faut repartir en bas, aller récupérer notre méca, je suppose. Attention, rame de frais à quai, prêt pour chargement. Hop, petite sauvegarde. Ok. Faut aller revoir la... J'ai l'impression... Ouais, c'est ça. Ouh, les émotions, ouais, c'était chiant. Bon, j'avais pas compris tout de suite. Enfin, d'ailleurs, il n'avait pas expliqué que en utilisant la molette, on changeait l'arme en fait, de ce côté-là. Donc on peut avoir l'arme normale ou avoir le truc, le poste à soudure, entre guillemets. Allez, qu'est-ce qu'elle va nous raconter cette fois? James, venez regarder les relevés de toxicité. Elle est pratiquement inexistante. C'est peut-être l'énergie la plus pure que j'ai jamais vue. Ce que Coronis cherche absolument à obtenir tente justement de l'envoyer au fond d'une crevasse. Vous dites que les tempêtes sont alimentées par l'énergie thermique la plus pure de la planète? Et ça, c'est une bonne nouvelle? Bonne ou mauvaise, ça reste à vérifier. Mais si nous trouvons l'origine des tempêtes... On va peut-être trouver la source principale de TNP. Et pendant que Nevek l'utilise pour résoudre la crise énergétique sur Terre, nous on rentre et on devient riche. Oui. Mais surtout, nous pourrons admirer l'une des merveilles les plus rares et les plus mystérieuses de l'univers. Enfin, si ça vous intéresse. Ouais. Ouais. À mort. Je vais prendre un peu de temps pour analyser les nouvelles données. Je vous préviendrai. En attendant, ça m'embête de vous quitter les mains vides. Ok. Bon. Allô, c'est Gail. Ah. J'ai réparé le matos que tu m'as confié. Tu peux venir le chercher. C'était super chiant. Alors, user, localiser l'emplacement pour les poteaux thermiques, utiliser le marqueur sur les acrides. Trouver tu vois, des acrides non marqués. Obtenir des échantillons de Dongo, étant que chasser le Dongo. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Réparer le pipeline. La zone de ma soudure sur un conduit fissuré près d'un nid d'acride au fond du pic. Ben, j'y suis. Ben, pourtant, je pense l'avoir fait, mais bon. Marquer, ok. Trouver, machin, soutenir. Mason et trouver. Ok. Alors, on va aller juste voir si je vais arriver à faire cette petite mission. Qui est juste à côté, en plus. Donc, on va re-essayer de la faire. Il y a eu quelques chargements entre temps, donc peut-être des trucs qui ont changé. En espérant que ça soit pas un truc bien chiant. Au pire, je ferai une accélération si c'est trop chiant et trop long. Adieu les acrides. Ok. Voilà. Eh ben voilà, cette fois-ci, ça a été réussi. C'est cool. Il y en a un qui est tout seul là. Je peux pas le toucher? Non, j'arrive pas à le shooter. Ok, allez, hop, on reprend la mission principale. De toute façon, comme j'ai dit, hein, je ne ferai les missions annexes que si elles sont sur le chemin. Sinon, je passerai outre. Mais bon, ça fait 2000 de plus. C'est déjà pas mal. C'est énorme quand même, j'adore
Allez, voyage rapide. Ça déjà, ça fait gagner un peu de temps. Et faut que je retourne. Faut que je retourne voir Gale, donc le hangar. Caverne de Diaz, c'est marrant. Allez, le hangar. Mon nom est Nerissa Rock. Et mon nom est Arthur Beagle. Vous écoutez RPG, la radio populaire galactique. En diffusion et podcasting tout autour du système solaire, grâce au généreux soutien de Neo Venus Construction et aussi grâce à vous, les auditeurs. Au programme de ce soir, la colonie minière de Kettleman, 30 ans après le drame. La publication des relevés énergétiques. La crise est-elle en train d'empirer? Les émeutes contre l'austérité s'intensifient. Que veulent les manifestants? Tout cela, et bien plus encore ce soir, dans Vue d'Ensemble. Tranche de vie. Alors, par là, je pense qu'il faut que je dépose le méca. Là. Allez. On va y voir le petit Gale. Munitions avant. Au cas où. Enfin, munitions, armes, si possible. C'est quoi le nouveautés. Jim. Déjà acheté, blablabla. Fusil, composant spécial. Il en a 5, c'est ça? Ça me permettrait autant d'en acheter 2 d'augmenter. Fusil à pompe, balle rebondissante, ça j'ai déjà. Ceinture de grenades supplémentaires. Ouais, je veux bien. On transporte jamais assez de grenades, si tu veux mon avis. Ok. Ah oui, d'accord, je vais pas capter en fait. On s'en fout. Regarde-moi ça, du pur bonheur. L'idéal pour dégommer de loin. Voilà. Ok. Comme ça, on sait que on a tous les merci, tout ce qu'il faut. Continue à faire ce que tu fais. Allez, allons voir Gale cette fois-ci. Tu parles toi? Non, tu parles pas toi. Tiens mec, merci de m'avoir fait réviser comment réparer un purificateur d'eau super pourri et tout vieux. Ah ok, c'était juste pour ça. Bon, de toute façon, je pense... Et hop, on sort le fer à souder. Ça c'est total 5. Ouais, ça c'est le prix et... Et moi, combien j'en ai? Non, ça me dit 5. J'ai du mal à savoir si c'est ce qu'on a. Attaque à deux bras, coup de bras. Du méca pendant une charge rapide. Propulse de 3,50% plus lent permettant à Jim d'atteindre des zones précédemment inaccessibles. Je peux ça? Ah bah si, je peux. Bam bam bam, de la portée pour ta fourche. Ah, j'avais assez. La première fois quand c'est j'étais passé, un plaisir, c'est... Mec. Ok, alors mission maintenant. Donner le purificateur à Mira. Confirme le purificateur déglingué, je suis sûr que Gale peut réparer ça pour moi. Voilà de quoi aider les compagnons de Mira et gagner la confiance de son père. Enfin, j'espère. Donc on va retourner chez les autres. Donc on va voir comment y retourner. Je suppose que... On va y aller en méca. Et je pense que je vais stopper l'épisode là. Je vais déjà me monter, quoi que ça... Je sais pas si ça a sauvegardé. Donc je vais aller dans la zone. Mais pour éviter que ça risque, s'il y a une mission qui se met en cours, et que ça risque trop longtemps et que l'épisode dépasse de trop la demi-heure, parce que je fais des fois des épisodes de 40 minutes, je suis pas sûr, ou plus de 40 minutes, pas sûr que tout le monde suive, donc je vais sûrement stopper après la téléportation. Donc il faut que j'aille... À la caverne de Diaz, c'est ça. Caverne de Diaz. Donc il faut aller au croisement du canyon. Ouais, ça a l'air d'être ça. Voilà. Ah non, ça me dit d'aller en arrière. Oh là là là. Sinon on va vers où là? Accès à Coronis. Fous de moi le truc ou quoi?
creusement de Bailey. Il me fait tourner en bourrique le truc là. Je sors de là, il me ferait retourner là. J'ai pas l'accès rapide là. J'ai pas le droit à l'accès rapide. Non, bon. Ok, d'accord, c'était des zones qui étaient rapprochées. Alors, bon, je vais essayer d'aller au moins jusqu'au... Allez, 3 petites minutes, à mon avis, le temps de faire le chemin. Ah, bah j'ai un copain. C'est un nouveau? Non, c'est pas un nouveau. C'est inconnu. T'es sûr que tu veux te battre contre moi? Coupé. Allez. Alors on va voir si le truc de flamme marche pas mieux. Allez, et d'une. Ah, il va me foncer dessus. Allez. Ah bon, ça devrait régler. Voilà. Allez, fais ton attaque. Zut. Oh bah ça a été plus rapide. Ça va. Il a un peu explosé. Bien. Comment ça veut dire bourrin quand même, hein. Allez. Non, je veux pas le voyage rapide. Ok. Je vais regarder la carte pour me repérer un minimum. Ah non, c'est pas celle-là de carte que je voulais, c'est l'autre. M, carte locale. Voilà, parfait. Alors, faudrait que j'aille où? C'est bien, je voudrais bouger la carte, j'ai pas le droit. Ok, non. Avec ça, avec le... Voilà, il faut que j'utilise... D'accord, donc c'est bien par là. Allez, go. Ouais, je trouve que leur système de TP est pas terrible du tout. Ils auraient pu faire comme pour les ascenseurs ou autre, bien marquer l'endroit où c'est sur le TP et... Enfin voilà. De toute façon, ça va bientôt stopper l'épisode. Bon, il y aura eu un petit peu d'action quand même. Ah, est-ce qu'il va y avoir... Ah, on va avoir des copains. C'est bien, j'ai réussi une quête. Allez, viens. C'est énorme. Bonjour, je t'envoie valser. Mais c'est un peu con d'envoyer valser parce que après pour aller récupérer les minerais, enfin le TN, faut parcourir un peu de distance. Mais c'était marrant. C'est bonjour, je t'apprends à voler. On va y arriver. Si c'est bon, c'est par là-bas. Ah, c'est long. Oh, les chemins sont un peu longs, c'est un peu dommage.
Non, je veux pas le voyage rapide. Je sais pas par quel chemin ils me font passer, mais c'est complètement n'importe quoi. Mais qu'est-ce que ça m'amène là? Alors je comprends pas. Mira, c'est pas... Non mais, ils me font aller où? C'est par là que j'étais passé? J'ai un doute. C'est quoi ce chemin de n'importe nawak? Super, j'arrive même pas à les shooter. Où est-ce que ça m'amène? Ah, on était repassé par là? J'avoue que là... Je suis perplexe par le chemin par lequel je prends. Bon, il semblerait que ça soit par là. Après le 25e passage et chargement, on va peut-être y arriver. L'épisode en fait va faire plus d'une demi-heure parce que je ne trouve pas mon chemin. Allez, c'est bon, normalement il va y avoir un chargement. Ok. Alors, je vais stopper l'épisode là parce que je pense qu'il va y avoir quelque chose. Déjà, la musique, elle bouge un peu. Je sais pas si on va pas avoir un boss ou un truc comme ça. Il y a une sauvegarde de toute façon. Donc, fin de l'épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. N'hésitez pas à vous inscrire sur Facebook et sur le groupe Steam. Petit pouce à petit pouce down si vous aimez ou pas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Allez, bye bye.